بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذة أم عادل. alors اليوم راح نشوفوا le texte l'éléphant. alors on a terminé de projet des contes et les situations initiales et finales, déroulement des événements, etc. Maintenant on a entamé un nouveau projet, c'est le texte documentaire. وش معنى texte documentaire؟ un texte qui donne des informations. هذه المعلومات ممكن يكونوا على un animal كما هذا التكست اليوم, ممكن يكونوا على un autre chose, une autre chose comme les plantes, etc. Alors, regardez le texte. Il y a le titre. Premièrement, le titre, l'éléphant. Il y a trois paragraphes. Et il y a la source. La source de ce texte. C'est très important, la source. La source de ce texte. Et il y a à la fin des questions de compréhension. Est-ce qu'il a fait? Alors, nous avons dit que les éléphants habitent en Afrique et en Asie. Ils vivent en grands troupeaux composé de plusieurs familles. يعيشون في مجموعات troupeaux composé de plusieurs familles, c'est-à-dire il y a des familles. هذو مجموعات فيهم des familles. L'éléphant est végétarien. واش معناتها végétarien? معناتها أكل الأعشاب. Chaque jour, il avale 200 kilos d'herbes, de fruits, de racines. Alors, chaque jour, il y a 200 kilos de hachiches, de fawakih, de les racines. Qu'il arrache avec sa trompe. Il dit, la trompe. La trompe, c'est ça la trompe. Il possède 4 dents. 4 dents. Qui lui servent à mâcher. Ils lui servent à mâcher. La nourriture. Troisième paragraphe. L'éléphant ne s'éloigne jamais d'un point d'eau. L'éléphant ne s'éloigne jamais d'un point d'eau. Pour pouvoir boire et se baigner. Il boit et se baigne. Il boit jusqu'à 80 litres d'eau par jour. Il boit 80 litres d'eau. Pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche. Il cherche l'eau sous la sable. En creusant avec ses pieds. Ses défenses trempent. Alors, voilà le texte. C'est un texte très facile. On a un texte. Un texte documentaire. Documentaire. Je vous note le identifier le thème d'un texte documentaire. هذا هو البروجي اللي راح يديروه في هذه المرحلة. Alors, les questions. Où vivent les éléphants? Où vivent les éléphants? واش معناتها où? Où هي أين? أين يعيش الفيل? Alors, عندنا جواب في السطر الأول. Les éléphants vivent en Afrique et en Asie. سطر الأول هذا هو الجواب. Deuxième, de quoi se nourrissent-ils? De quoi se nourrissent-ils? يعني وش يأكل؟ Alors وش قلنا؟ هاي قلنا les éléphants sont végétariens, sont des animaux végétariens. وش يأكل؟ L'herbe, les fruits et les racines. Les éléphants mangent l'herbe, de fruits et des racines. Troisième question. Comment s'appelle l'animal qui
ne mangent que des végétaux. جسمهم جسم الحيوان اللي ياكل النبات فيجيتو سموه ان انيمال فيجيتاريان ان انيمال فيجيتاريان il s'appelle un animal végétarien. Quatrième, combien l'éléphant a-t-il de dents? كم له من أسنان؟ قلناها هاي قلناها il a quatre dents. Il a quatre dents. Cinquième, maintenant tu as des informations sur l'éléphant. قالونا الآن عندك معلومات على الإليفون. Donne-les à tes camarades. هنا راحين هنا حابين التلميذ لما يقرأ النص يدير المعلومات اللي أخذها من النص ومن بعد يدير ان اكسبريسيون اورال ان اكسبريسيون اورال باش نعرفوا اسكو ليلاب كومبرون لو تيكست او نو. يعني واش راح نديرو؟ راح نديرو ان بوتي ريزومي ان بوتي ريزومي سور لو تيكست. يعني المعلومات المهمة المعلومات المهمة نديروهم في دو فراز ولا تخوا فراز. واش نقولو المعلومات المهمة واش هي؟ لي زيليفون ابيت اون افريك اي اون ازي. L'éléphant est un animal végétarien. Il ne s'éloigne jamais de points d'eau. Voilà, et il cherche l'eau pendant la saison sèche sous le sable. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est un résumé sur le texte. Alors c'est un texte très facile. Très facile à comprendre, même les questions sont faciles. Bon, la prochaine fois on va voir l'autre texte, la pollution des océans. La pollution des océans, hala chouya twil rahin hawl bach nshrah lkom annas hala dans le prochain vidéo inchallah. Alors fil akhir mettez un like et abonnez. Merci.